Alors, le rayon cosmétique, regardez. Un arrivage, c'est Highlighting Cream. C'est une crème, c'est un highlighter à 99 centimes. Et ça, c'est quoi? Je vois pas. 1,49€. C'est un fond de teint. Regardez. Alors, sans Makeup Collection. On dirait que pour c'est un coffret pour les petites filles, non? À 3,99€. Et ça, qu'est-ce que nous avons ici? Des palettes. Ça, c'est pour faire du contouring. Ça, c'est quoi? Ah oui, c'est highlighter pour illuminer. Et ça, c'est quoi? A glow powder. D'accord, c'est pour briller. Ah, ici, nous avons des glosses. Je n'aime pas les prendre. Alors, ils font 99 centimes. Regardez cette petite palette, elle est vraiment pas mal. Alors, elle fait 2,99€. C'est Body Collection England. Alors, qu'est-ce qu'on ferait pas pour les bébés? Alors, gel douche lavant corps et cheveux. Regardez, il est pas mal. La marque Evoluderm et il fait 89 centimes. C'est pas mal pour le prix. Sinon, dans la même gamme, nous avons huile de beauté à l'huile d'argan qui fait 2,39€. Celle-là, elle est à l'amande douce, 2,39€ pareil. Et ça, c'est à l'huile de carotte. Le même prix. Alors, un arrivage de brosse, regardez, professionnelle, la marque Parsa, pour ceux qui connaissent. Donc, elle fait 4,49€. Je crois que c'est les mêmes modèles. Non, c'est pas tous les mêmes modèles. Regardez. Donc, c'est une gamme professionnelle. Il y en a celle-là aussi. Celle-là, elle fait 2,99€ par contre. Des palettes encore. Regardez, ça c'est pour les yeux. Smoky, 2,99€. Pour avoir un regard smoky. Sinon, il y a ça, c'est des blushs, je crois. Ouais, c'est ça, c'est des blushs. Il y a 4 couleurs et ils font 2,99€. Alors ici, nous avons des shampoings 5. C'est pas mal. 1,50€ le shampoing. Dry shampoo. Il est pas mal le packaging. Regardez, c'est pas mal. Et d'habitude, ils sont plus chers. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un mousse de bain organique. Ajoutez un peu de mousse dans l'eau pendant que le bain se remplit. Ah, d'accord. Ok. C'est pour faire une grosse mousse pendant que vous êtes dans votre baignoire. C'est pas mal, hein? On voit ça souvent dans les films et on prend pas le temps de le faire. Et aussi, ça coûte plus cher de la baignoire. Mais on peut se permettre une fois tous les... je sais pas... Les 6 mois, c'est pas mal. Alors, crème pour les mains de cette célèbre marque. Elle est vegan et elle fait 1,50€. Et il y a aussi la version gel douche qui fait 1,99€. Alors là, nous avons un arrivage de sachets de noix. Alors, ils font déjà 3,50€ pour 1 kg. Regardez, et comme le monsieur me l'a fait remarquer, donc c'est des petits formats quand même. Hein? Petit calibre. Ouais. Petit calibre. Regardez, j'ai trouvé ça pour vous montrer. Ah, vous communiquez avec quelqu'un. Alors, ici, il y a un arrivage, regardez, de café. Alors, baristo, capsule café 4,99€ et je crois qu'il y en a 50. C'est pas mal ça. Alors, et c'est compatible avec les machines Nespresso. Alors, regardez ce café moulu. Il fait 99 centimes. Ça s'appelle Stambulia. D'accord. Et apparemment, c'est autrichien. Regardez, c'est en Autriche, oui, exactement, 250 grammes. Alors là, nous avons un lot de Malteser plus 10% et ils font 3,19€, voilà, pour 440 grammes. Voilà.
Alors, une célèbre bière qui fait 85 centimes la canette. Alors là, nous avons un arrivage de bouillon cube, des cubes. Alors, c'est 1,99€, c'est ça. Et il contient combien? Il contient combien? C'est halal, je tiens à le préciser. Apparemment, c'est turc. Alors, la boîte, elle fait 1,99€. Je vais vous montrer. Voilà, il y en a pas mal. Hein. Alors, ici, nous avons un arrivage de moutarde, mais pas de maille. C'est moutarde de Bourgogne. Regardez. Et elle fait 1,19€. Et ça, ce qui m'intrigue, c'est cette moutarde au cassis de Dijon, fabriquée à la meule de pierre. Je connaissais pas. C'est 1,19€ pareil. Et là, nous avons, regardez, de la moutarde à la truffe de Bourgogne. C'est pas mal ça, 2,99€. Je pense que je vais prendre une. Alors là, nous avons un arrivage de café. Il fait 500 grammes, café moulu, créma 100% arabica. Et il fait 3,50€. Alors ici, il y a un arrivage du vin du Chili, Sauvignon, à 1,69€ la bouteille. Regardez. Sinon, il y a celui-là. Alors, Paco Casa del Papel. Non, Casa de Blanco, je rigole. 2,49€. Donc, en tout cas, il fait 2,49€. C'est un vin de la Tierra. Regardez le pack de bière de cette marque, il y en a 6, ils font 3,99€. Alors du martini à boire devant le discours du président Macron, il fait 6,38€ pour bien se saouler. Alors un arrivage de pack de Fusti 12, ils font 3,99€. Je vous assure, je me disais déjà, j'avais une envie de nouilles, tout simplement. Alors, celui-là, c'est Ginger Chicken. Il fait combien? Je vois pas le prix. Je vois pas le prix. Si, ils font 85 centimes. Et celui-là, il fait... Ouais, c'est la même chose. Nouilles japonaises. Ok. Je voulais vous demander, est-ce que vous mangez plus de nouilles depuis que vous regardez la K-drama ou vous écoutez la K-pop? C'est une bonne question, hein? Surtout pour les fans de BTS. Alors regardez la potagère, 1,50€, 1 litre moulinet de légumes d'hiver. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Des lentilles, du thym. Ça peut être bon, mais à chaque fois que je mange ce genre... Une fois, j'ai mangé un truc en brique parce qu'on était en voyage. J'ai trouvé ça vraiment dégueulasse. Vaut mieux dans une petite cocotte que vous avez à la maison, mettre un peu de carottes, un peu d'oignons, un peu de pommes de terre et vous mixez tout ça. Vous ajoutez des épices et vous mixez tout ça. Et c'est beaucoup mieux. Et on ne perd pas plus de temps que ça. En parlant de soupe, il y a des croûtons là. Regardez, Nutri-Score D, ça veut dire que c'est super mauvais. Allez, je le jette, je le prends pas. En tout cas, il fait 59 centimes. Alors, du Justin Bridou, mais c'est pas la même marque. C'est, moi, je les appelle comme ça, c'est bizarre. 1,09€, mais c'est pas Justin Bridou. Un pack de la célèbre marque Heineken. Ok, c'est difficile à prononcer. 1,99€ les 6. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est aussi de la bière. 2,94€. Ouais, c'est espagnol. Et là, qu'est-ce que nous avons? Des barres de fruits de bois à 99 centimes. Et là, c'est pour faire de la mousse au chocolat. C'est des sachets. D'accord, mousse au chocolat. D'accord. Alors, elle fait combien? C'est un apport de protéines, c'est pour les sportifs. Hein. Alors, elle fait 99 centimes, pareil.
Alors, arrivage de popcorn au micro-ondable. Regardez, il y a 3 sachets, 200 grammes. Donc, ils font 99 centimes. Alors, ici, c'est des fixés chez... Ouais, elles sont un peu molles quand même. Elles sont pas mal. Le prix, elles font 1,99€ pour 500 grammes. Caramel waffles. C'est pas mal, hein. 1,29€. Ça me rappelle Bruxelles. Regardez, ça c'est des décos en sucre, en pâte à sucre, des décorations de pâtisserie. Elles sont vraiment pas mal, regardez. Vraiment, c'est joli, je trouve. Regardez, il y a des fleurs. Et elles font 59 centimes. Non, 69 centimes. Voilà. Regardez, c'est des endives dans un gros pot conservé. Ils font 2,99€. Et là, c'est 1,13 kg. Alors là, c'est des cacahuètes avec la peau. Regardez. 1,49€. Arrivage de grosse boîte de Heineken. Alors. Boîte à 7,90€ et elle contient 15 canettes. Alors je finis sur cette magnifique vue sur les pots de glace. Quand on déprime, nous les femmes, on regarde les pots de glace. Ça a l'air pas mal. Je pense que je vais prendre un Ben & Jerry ou un Häagen-Dazs. En plus, ils sont pas chers ici. Regardez, je vais pas vous dire les prix, mais je vais vous montrer que c'est bien dispo. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager, surtout pour les gens qui habitent dans la région. Voilà, je vous remercie pour tout. Je vous embrasse très très fort. À très bientôt. Au revoir.